Je vais vous présenter deux astuces qui vont vous permettre de réaliser le défi qui vont vous demander d'obtenir le bouclier de Captain America ou les griffes de Black Panther sur des joueurs éliminés. Donc pour réaliser ce défi, soit vous allez près du Captain America qui se trouve juste ici, à côté de Restored Rails, à cet emplacement-là, ou alors vous allez près de Shuri qui se trouve juste ici. Moi, je vous conseille d'aller près de Shuri, c'est plus simple. Vous allez voir pourquoi à la deuxième astuce. Là, vous lui achetez les griffes de Black Panther. La première astuce que je vous ai déjà présentée, c'est tout simplement de déposer justement le pouvoir de Shuri sur le sol. Hein. Vous le déposez comme ça, quelque part. Et ensuite, vous attendez qu'un mec le récupère. Et ensuite, vous l'allumez. Vous tuez la personne qui va récupérer le pouvoir. Et ensuite, vous récupérez le pouvoir. Et dès que vous aurez fait ça, vous aurez terminé le défi. Alors, la deuxième astuce, elle se passe à deux joueurs. Je l'ai vu sur la chaîne de Jolan. Donc, c'est une très bonne astuce. Donc, je me devais de vous la partager. Et je mettrai sa chaîne en description, en commentaire épinglé pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, n'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Alors, pour réaliser ce défi, comme je vous l'ai dit, il faut être deux joueurs. Et ce que je vous conseille, c'est de vous rejoindre à une pompe à essence. Donc, ça tombe bien, il y en a une juste à côté. Donc, c'est parti. Alors, ensuite, ce que vous allez faire, c'est de construire une grande rampe, comme ceci, de plus ou moins 5-6 escaliers de hauteur. Ensuite, vous allez donner votre pouvoir des griffes de Black Panther ou le bouclier de Captain America à votre deuxième joueur ou à votre deuxième compte. Hein. Moi, je vais le faire avec mon deuxième compte. Voilà, là, il les a récupérés. Et là, ce qu'il va faire, c'est tout simplement aller se suicider. Donc, il va tout en haut de la rampe, il saute et il se laisse mourir. Donc là, si vous le faites à deux joueurs, bah, c'est pareil. Le deuxième joueur va aller se laisser mourir. Et là, pour le terminer, ce que vous pouvez faire, c'est l'emmener près d'une pompe à essence. C'est pour ça que je vous avais dit d'aller près d'une pompe. Et lui infliger des dégâts avec la pompe à essence. Voilà, comme ça, je casse la pompe à essence. Donc là, il a reçu des dégâts. Normalement, il va prendre feu un petit peu. On va le faire avancer dans le feu, voilà. Et dès qu'il est mort, là, vous récupérez le pouvoir de Black Panther ou le bouclier de Captain America. Et dès que vous aurez fait ça, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses très facilement. Code Crash.